Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo sur la Switch OLED et cette fois-ci, on va tester ensemble WRC 8, un jeu que j'avais vraiment adoré sur PS4, sur Xbox One, sur le Steam Deck aussi, je vous l'avais présenté. Donc ici, on va le tester un petit peu sur Switch et sur la Switch OLED. Et par après, je vous ferai également un petit comparatif entre la version Steam Deck et la version Switch. Donc évidemment, je n'aurai pas les vibrations vu que j'ai mis le Split Pad Pro. Mais pour l'avoir testé avec les Joy-Con, je peux vous dire que ce jeu, franchement, c'est un des premiers jeux sur lequel les vibrations sont aussi fortes, aussi puissantes. J'étais scotché quand j'y ai joué, quand je l'ai testé la première fois. Allez, le petit chargement. Qui est quand même assez long. On pouvait voir le véhicule, franchement, est très bien modélisé. Bon, évidemment, il y a de l'aliasing, hein. Switch oblige. On n'est pas sur le Steam Deck, forcément, ni sur PS5, Xbox Series. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas faire de carrière, hein. On va faire partie rapide. Et on va se faire quelques petites spéciales. Bon, on va déjà commencer par Monte Carlo. On va prendre une spéciale, peut-être pas trop longue. Désolé, mais je tousse assez bien. On va prendre en Junior WRC, parce que ça fait quand même un moment que j'y ai plus joué. Qu'est-ce que je vais prendre? Voilà, l'équipe italienne. Allez hop. Pas mettre deux plombs, pas choisir non plus. Donc on a un temps ensoleillé. Ciel dégagé. Évidemment, je sais déjà plus quelle touche correspond au frein à main aussi. Ben, c'est soit A ou B de toute façon. Ben, graphiquement, hein, quand on voit le circuit comme ça présenté, on voit qu'on n'est déjà pas au niveau de la version PS4, Xbox One, enfin Xbox One X, PS4 Pro. Avec l'aliasing, ça fait quand même beaucoup. Mais bon, ça reste quand même assez joli. Et perso, j'ai hâte que Nintendo nous annonce une Switch 2 ou une Switch Pro. Ah ouais, ça fait bizarre j'arrive pas à le dire. Sans les vibrations. Sinon, franchement, le jeu tourne bien, il est assez joli. Je vais pas dire qu'il est magnifique, hein. Enfin, il est super joli, mais pour comparer aux autres versions, forcément, c'est moins joli. Mais ça reste quand même très joli pour la Switch, elle s'en sort super bien. Ouh là 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 là. Ah oui, là je suis. Et pour me remettre, c'est le X. Ah non, X, c'est celui-là. Forcément. Bon, on a eu de la pénalité, mais c'est pas grave. On est là. On n'est pas là pour péter les chronos non plus.
On est juste là pour tester, voir ce que je donne sur la Switch. Je le testerai aussi à l'occasion sur la Switch Lite. Sur la Switch en mode docké, forcément. Hein. Parce qu'il y en a qui disent que les jeux, c'est pareil sur Switch Lite, Switch OLED. Pas forcément tous les jeux. Il suffit de regarder la vidéo que je vous ai fait sur Samurai Shodown sur la Switch Lite. Il est moins joli que sur la version PS4 Xbox One. Mais quand on le regarde sur Switch OLED, ben les défauts graphiques sont encore plus flagrants, quoi. Et ici, le WRC8, franchement, je le trouve super joli. Et la maniabilité, c'est impeccable aussi. Bon, évidemment, même si je me plante, j'ai pas vraiment l'habitude de jouer en mode portable comme ça. Mais à ce genre de jeu où il faut y aller un peu sec avec les analogiques, je vous conseille d'acheter soit la manette Pro, soit le Splitpad Pro comme moi je joue ici, pour ne pas trop martyriser, je vais dire, vos Joy-Con, parce que comme c'est assez fragile ces petites bêtes là, ça serait dommage de les bousiller. Aïe aïe aïe, la bourde. Et je suis dans le rouge, hein, pourtant. Dieu sait que je m'en sortais bien sur ce jeu, sur les autres consoles. Ouh là là, je m'enfonce. Oh là là, Joe, qu'est-ce que tu fous? Mais j'ai pas été chipoté au niveau de difficulté non plus. J'aurais peut-être dû le mettre un peu plus facile au niveau pour les temps à battre. Donc je me souviens, sur PS4, Xbox One, j'ai joué en facile, normal. Ça dépendait des spéciales, des épreuves. Il y a un petit peu de clipping sur certaines textures. Bon, quand on fait bien attention au décor, ça se voit, mais c'est pas flagrant non plus. Il faut vraiment regarder. Donc franchement, je trouve que cette petite version Switch s'en sort pas mal. Oh là là. Oh, et pourquoi je m'enfonce encore plus? J'aurais pas une seule portion dans le verre. Gauche 6, dans 3.
Droite tac, bon, 50 mètres. Droite cap, court étroit. Dans gauche 5 et tunnel, 30 mètres. Et là, c'est la cata. Et je me remets bien. Nickel. Ça, c'était top dédicace sur une belle petite figure. Franchement, je vous assure que je me débrouille bien sur ce jeu en général. Vous pouvez aller voir, je vous invite à aller voir mon petit let's play WRC8 sur PS4. Ouh. Ah bah dis donc, on est bon dernier. Tac. Ouais, évidemment, ça on ne pourra pas trouver le réseau pour envoyer les scores. Tac. Annuler. Quitter. On va choisir une autre épreuve. Donc on va refaire partie rapide. Où est-ce qu'on va aller? Tac, tac, tac. Allez, en Italie. Une petite ici. Junior toujours. On garde la même équipe. Je ne vais pas faire trop, enfin beaucoup de spécial. On est déjà quasi à 12 minutes pardon, de vidéo et je n'ai que 22 minutes et quelques de disponibles. Bon, j'aurais pu faire la vidéo en 1080 aussi. J'aurais pu enregistrer plus longtemps ou en faire plus, mais bon, je préfère quand même vous offrir des vidéos de bonne qualité. Allez, on va essayer d'être moins mauvais. Oh là 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 là. Et pourquoi je me retourne? Vous voyez, il y a quand même du clipping sur les ombres des arbres. Il y a des oliviers. C'est un peu dommage, mais bon, voilà, c'est pas non plus dérangeant, je vais dire. Ouh, on est dans le vert. Au niveau maniabilité, il est top. Et je vous dis, si vous jouez avec les Joy-Con ou avec un... enfin, ce que je vais avoir, je vous le présenterai quand je les recevrai, les autres manettes. Ça ressemble un peu au Speedpad Pro. Mais c'est une autre société qui fait ça, c'est pas Ori. Et chez eux, il y a les vibrations, le système de... Binks. Système haptique, etc. Donc... niveau sensation de jeu, ça sera quand même autre chose, ça sera un niveau au-dessus, même plus qu'un niveau au-dessus. J'ai hâte de les recevoir et de tester ça, et de partager ça avec vous. Enfin pour ceux, parce qu'il y en a certainement qui sont allergiques aux vibrations, qui n'aiment pas ça dans les jeux, mais moi j'adore ça, donc... C'est vrai que quand on joue ou qu'on en a pas, ça fait un peu zarbi. Gauche à fond sur ciel et gauche 5 haut, 50 mètres. Gauche 4 haut, 50 mètres. En tout cas, au niveau de la poussière soulevée par les pneus, etc., quand même bien fait aussi ici sur la Switch. Aïe, 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 par contre là, je sors et j'ai du mal à aller me remettre.
j'aurais pu revenir en appuyant sur le X. J'aurais eu une pénalité, mais... Je pense que j'aurais perdu moins de temps avec la pénalité qu'en faisant ce que j'ai fait. Quand j'aurais reçu cette manette là, enfin cette espèce de Joy-Con là, je les testerai aussi sur ce jeu, parce que c'est vrai que sur ce jeu les vibrations elles sont quand même bien badass. On aura quand même une petite section en vert, c'est déjà ça. Je sais pas si j'aurai la... Ah bah 7ème, on n'est pas dernier. Allez, je vais faire pause. Allez, on va essayer une petite dernière au Portugal. Et on va faire ici cette épreuve-là. Tac. Une fois, changer un peu au hasard. Tac. Je fais une petite pause pendant le chargement. Et c'est parti. Les sensations de conduite, franchement, elles sont là. Et là, j'ai oublié que c'était une épingle. Les sensations de conduite, elles sont là, elles sont bien. Et hormis, bon, la qualité graphique, forcément, le jeu s'en sort quand même très bien. Et puis il reste quand même assez joli. Oh là 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 là. Concentre-toi, Joe. Oh, où je vais, moi, mais... Oh, mais je suis... C'est la loose totale, hein. Punaise, on voit que ça fait longtemps que j'y ai plus joué. Attention, droite 3 ferme et 3. Dans droite 4 ferme, 1. Pas comme ça que je vais être premier. Hein. Et plutôt je suis dans le vert. Quand je suis concentré, que j'entends, que j'écoute ce qu'il me dit, voilà, là, j'ai remarqué, ouais, il y a une épingle. Tantôt, j'écoutais pas. Ou alors je babelais. Et forcément, si je babelle, ben... fois. Droite 4, gros frein pour épingle de droite serrée, pas corde, étroit, 50 mètres pour arriver. Et encore la même erreur que tantôt.
Allez, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Nom de Zeus. Bon, on est quatrième, mais voilà. On s'est quand même plutôt pas mal débrouillé. Voilà, voilà, les amis. Ben, je vous propose qu'on en reste là pour cette petite vidéo sur WRC8 sur Switch, donc ici sur Switch OLED. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu qui fait super plaisir et qui aide à référencer la vidéo, qui aide la chaîne. Laissez-moi un petit commentaire, je vous répondrai. Ne fût-ce qu'un petit coucou, ça fait toujours super plaisir et je vous répondrai. Et n'hésitez pas aussi à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça fait toujours super plaisir qu'on a de nouveaux abonnés, de nouveaux passionnés qui arrivent sur la chaîne. Voilà, je vous donne rendez-vous et je vous laisse admirer le petit replay de ma piètre qualité de pilote. Et je vous donne rendez-vous donc très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, prenez soin de vous surtout. Jouez bien. Ciao, ciao.